palais Diavlou, visite d'adieu de son excellence Monsieur Léonidas Thésapsidis. Le président de la République, Erazon Armampian, a reçu ce matin au palais d'État Diavlou son excellence Monsieur Léonidas Thésapsidis, ambassadeur de la Commission de l'Union européenne à Madagascar. Il s'agit d'une visite d'adieu après 4 années et demie de mission dans la grande île. Nous avons passé en revue les relations entre l'Union européenne et Madagascar après la levée des mesures restrictives, les appuis à la population vulnérable dans le cadre du 10e Fonds européen pour le développement, ainsi que la préparation du 11e FED. On se prépare maintenant au dialogue politique. C'est en ces termes que l'ambassadeur européen s'est exprimé après l'entretien avec le chef de l'État malgache au Palais Diavlou. Il a ajouté, je cite, « Je suis très attaché à Madagascar et je me réjouis de voir le pays sortir de la crise après des élections correctes. Le travail n'est pas facile pour une démocratie qui commence. C'est aux dirigeants et à la population de faire les évaluations sur les actions entreprises », a-t-il expliqué. Quoi qu'il en soit, l'Union européenne demeure toujours le partenaire traditionnel qui accompagne Madagascar. C'est une confiance réciproque, a-t-il conclu.